Lyon demain. Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Nous savons tous que nous allons mourir un jour et toute notre vie consiste à bâtir un autre monde que celui qui nous apparaît. Un monde intérieur, un monde imaginaire dans lequel nous pouvons réaliser nos propres rêves. Grâce aux auteurs, nous avons dans ce monde non seulement notre terre, c'est-à-dire notre âme, non seulement la mer, c'est-à-dire des émotions qui bouleversent cette âme, mais en plus un ciel. Et la différence entre un auteur et un autre, c'est justement qu'il y a dans ce ciel soit quelque chose comme le jour qui illumine notre âme, qui l'amène à concevoir le bien, ou alors au contraire, pour certains auteurs, la nuit. Avec ces étoiles, certainement, c'est-à-dire les héros qui, à l'intérieur de leurs livres, réagissent contre l'injustice, contre le mal. Et ces écrivains de nuit m'apparaissent les plus grands. Ce sont eux qui nous opposent la réalité, non seulement telle qu'elle est dans le jour, mais justement dans la nuit telle qu'elle apparaît. Telle qu'elle devrait être, constellée d'étoiles qui guident notre vie. Voilà pourquoi je pense que c'est plus qu'une morale de lire. C'est un devoir, c'est une mission. Et cette nuit des auteurs, cette nuit étoilée, c'est elle qui, tout au long de notre vie, nous aide à tenir, à ne jamais renoncer et à nous battre jusqu'au bout. Francis Huster, merci pour ce texte sublime que vous nous dédicacez spécialement ce soir et qui donne tout le sens de l'émission. Cher Francis Huster, vous êtes notre parrain, nous en sommes émus et très honorés. Nous vous remercions de tout cœur. Chers amis, bonsoir. Nous partons voyager à travers les univers. Pas nécessaire d'attacher votre ceinture, laissez-vous emporter par la liberté. Bienvenue dans l'émission « Des livres en bonne voie ». Je suis Lydia, votre hôtesse. Je vous emmène. Ce soir, nous lisons pour vous. Là où il y a la guerre, il y a des réfugiés, des migrants, comme on les appelle aujourd'hui, dont nous parle l'auteur Éric Pommet dans son premier roman « Des souris blanches et des hommes de couleur » publié chez Edilivre. Éric Pommet, diplômé d'une licence d'anthropologie, a suivi une formation de gestion des entreprises culturelles. Il a été correspondant local de presse pour Le Progrès à Lyon. Il fait carrière dans le secteur social et culturel. Passionné de théâtre, il s'est essayé à la comédie, la mise en scène et l'écriture théâtrale. D'ailleurs, le roman était destiné à être une pièce de théâtre qu'il dédie à son frère spirituel, Farid Omri, le comédien humoriste, auteur de One Man Show et de comédies que vous avez certainement vues au Festival d'Avignon, comme Couscous au lardon ou Au secours, elles veulent toutes des bébés, dans laquelle j'ai eu le plaisir de jouer. Le roman Des souris blanches et des hommes de couleur est né quand Éric Pommet, en compagnie de son ami Farid Omri, découvre l'adaptation théâtrale du roman de Steinbeck, Des souris et des hommes, et envisage d'en faire un spectacle. Éric Pommet commence à écrire la trame. Et puis, le temps passe, la vie prend le dessus. Farid Omri nous a quittés beaucoup trop tôt. Éric Pommet décide alors de ressusciter le projet des souris blanches et des hommes de couleur pour rendre ainsi hommage à son ami et frère spirituel, Farid Omri. Dans ce roman social, politique, poétique et symbolique, deux migrants clandestins poursuivent une improbable quête onirique. Se faire une place dans le pays des droits de l'homme, dans une société de tendresse et de solidarité, avec ou sans Dieu, dans une communauté sans chef où chacun peut s'assumer en tant qu'homme libre. Mais leur idéal va très vite se heurter à un monde en proie aux crises climatiques où les pandémies se succèdent. On les observe se débattre, tels des souris de laboratoire dans le labyrinthe de ce monde vicié qui regorge de cul-de-sac. Parviendront-ils à atteindre l'inaccessible étoile ? Par bonheur, ils ont leurs rêves. Alors, brille l'espoir. Et parmi les retours lecteurs ? Un premier roman très encourageant. Cette relecture de l'œuvre de Steinbeck est une belle réussite. Le parti pris sur la forme est clairement théâtral. Unité de lieu, dialogue, etc. Univers que l'auteur maîtrise bien. Éric Pommet apporte une touche personnelle originale. Il s'éloigne de peu de la tragédie classique en proposant une fin alternative rêvée où l'espoir subsiste malgré une situation bien sombre.
le lecteur s'attache clairement aux personnages auxquels on peut rattacher à chacun une symbolique évidente. Un premier essai vraiment très encourageant à lire absolument. En voici un extrait. Est-ce une question de charame ou bien un flashback inopiné sur sa vie ? Mais Rachid a besoin d'évoquer le début de son histoire avec Shahad. Il y a si longtemps. C'est une longue et banale histoire de misère. Machinalement, il fait tourner entre ses doigts les derniers dominos qu'il a en main. Son esprit est parti très loin, dans le temps et dans l'espace. Et ces petites pièces d'ivoire, frappées de points noirs, ne représentent plus rien pour lui. Sinon, le souvenir des parties que les anciens de son pays faisaient à l'ombre des figuiers. Je suis né dans un tout petit village des montagnes, aux portes du désert. Un soir, un groupe de nomades est arrivé chez nous. Ils avaient fui la guerre des hommes, mais ils avaient fui aussi la faim. Cette peste qui la prolonge. Comment avait-il traversé ce désert ? Comment avait-il survécu parmi ces immenses étendues ? Comment avait-il pu trouver un chemin dans ces montagnes de sable, qui pour nous était un horizon si familier, mais aussi si hostile ? Sans doute, cette rage de vivre, cette volonté de survivre, qui fait que l'espèce humaine existe encore aujourd'hui, malgré toutes ses folies destructrices. Je n'étais qu'un tout petit enfant, mais je garde le souvenir de cette grande femme longiligne, aux traits marqués par la faim et la souffrance, fièrement appuyée sur ce long bâton des pâtres du désert. Elle avait accroché à ses nippes un bébé amaigri qui, la tête penchée sur le côté, posait sur tout ce qui l'entourait. Un regard curieux, mais résigné, à travers des yeux qui trahissaient toute la candeur de l'enfance. Les anciens du village autorisèrent le groupe à s'installer près d'un point d'eau, à l'entrée du bled, avec leurs chiens efflanqués et leurs chèvres squelettiques. Ils vécurent ainsi à côté de nous quelques années. Au début, nous étions un peu intrigués par leur façon de vivre et par la couleur de leur peau. Parfois, une peur réciproque nous rendait hostiles. Puis le temps passa. Les vieux étaient morts. Les plus jeunes étaient partis vers des terres quasi légendaires, réputées généreuses et hospitalières. Il ne restait aux portes du village que deux êtres à la peau plus brune que la nôtre. Oumi Ayana, cette longue femme qui s'était un peu courbée sous les poids de l'âge, qui conservait toute sa noblesse avec son éternel bâton, et son fils Shahad, qui avait gardé son innocence et qui me faisait rire par sa niaiserie. C'est à cette époque qu'au village, on commença à parler de Dieu. Jusqu'alors, il était resté discret, protégé dans le cœur des hommes. Maintenant, on l'invoquait avec violence. On accordait de plus en plus d'importance aux gestes rituels, plutôt qu'aux signes d'amour. Alors que ce Dieu avait été imploré depuis si longtemps pour rassembler, c'est maintenant ceux qui était chargé de le servir, qui divisait les hommes en son nom. Un jour, je suis parti avec Shahad et Ayana dans la montagne, avec leurs trois chèvres et leurs moutons, à la recherche de quelques brins d'herbe. À notre retour, nous avons trouvé notre village ensanglanté. Toute ma famille avait été massacrée, ainsi que la moitié des habitants. Était-il trop religieux ? Ne l'était-il pas assez ? Même si j'étais trop jeune pour comprendre, j'étais bien assez grand pour pleurer. J'ai enfoui mon désir de Dieu tout au fond de moi, et c'est Oumi Ayana qui, dès lors, m'a aidé à grandir.